Je t'explique comment réaliser cet effet time-lapse avec ton iPhone et CapCut. Enregistre-toi de plein pied devant une rue où il y a du mouvement, puis ensuite enregistre une vidéo juste de la rue avec du mouvement. Ouvre CapCut et d'abord importe le clip avec toi devant la rue, puis le clip uniquement de la rue. Sur le clip avec toi, avance un petit peu, sélectionne-le et clique sur diviser. Sur ce clip, tu vas sélectionner superposition. Tu vas avoir du coup un deuxième clip. Sur le clip du dessous, tu vas cliquer sur découpage, supprimer l'arrière-plan et valider. Ça va donc supprimer l'arrière-plan du deuxième clip. Une fois le background supprimé, tu vas retourner sur le premier clip, cliquer sur vitesse, normal et le mettre à 40. Tu valides. Enfin, la dernière chose à faire sur le clip du dessus, ça va être d'aller dans flou de mouvement. Tu vas mettre le flou à fond. Et validé. Une fois que ton flou a été rajouté à ton clip, tu vas pouvoir enregistrer et exporter ta vidéo.